gestion d'entreprise agricole avec une option production végétale. C'est la conduite de culture. Un bac pro spécifiquement agricole, l'agronomie, l'étude des cultures et des productions, le machinisme, tout ce qui concerne le développement durable. Cette formation m'intéressait parce qu'il y avait de la pratique, mais aussi de la gestion. Sur le lycée, on a la chance d'avoir une exploitation. C'est les élèves qui font les travaux. Ça nous permet de mettre en pratique ce qu'on voit en cours. Plusieurs périodes de stage, donc 8 semaines en première et 6 semaines en terminale. % de la formation se fait soit sur le terrain, soit avec des enseignants professionnels, et on va avoir un contact privilégié puisque le fait de travailler sur le terrain est complètement différent que des matières générales. Les jeunes vont acquérir de l'autonomie, des responsabilités et aussi beaucoup d'échanges entre eux pour pouvoir améliorer leurs connaissances. D'entre eux s'orientent vers un BTS AXE. La plupart vont reprendre l'exploitation familiale et d'autres vont s'orienter vers technicien en coopérative, responsable d'exploitation agricole. J'aimerais continuer sur un BTS et pourquoi pas une licence. Plus tard, comme dit, j'aimerais faire chef de culture et je ne suis pas fermé à l'idée de reprendre l'exploitation.